appelle à Vaca. Je suis d'Agadez, je suis un vendeur de bijouterie. On est basé à Niamey, notre siège est à Niamey, mais on a des artisans qui travaillent à Agadez, à Atri, à l'est d'Agadez. On est regroupé dans une coopérative, on travaille. Oui. Tu as vu comment on commence les vagues? C'est la première fois qu'on commence comme ça. Et jusqu'à ça retourne comme ça. Et après, on va mettre les veines en première. Et la deuxième, on met les morceaux d'argent. Et troisième, et puis les veines. Et quatrième, c'est les morceaux d'argent. Quatrième, c'est les ébène. Et après, on va mettre un grand morceau d'argent, ouais, qui n'est pas faible comme ça, il est un peu quoi. Tu prends, tu fais comme ça. Voilà l'humeur. Hein? Jusqu'à ça revient juste. Et là, tu as vu comment faire. Oui, et ça c'est les dessins. Oui, voilà. On est en train de dessiner. Et après, dès que tu dis, on va faire à la lisse. Et on est fini, et puis après on fait les machines là. C'est le truc qui va bien nettoyer ça. Donc c'est déjà fini. Maintenant on porte. Ouais, il y a déjà un autre là-bas. Tu as vu? Ça c'est le final du travail de vague. Ouais, c'est tout de l'argent, tout c'est en argent. Il y a différents modèles. On a ça, le modèle Khawatim, le modèle Tabel. On a avec de la pierre. Comme d'habitude, c'est la pierre agate. Après les bagues, on a des colliers. C'est le collier de mariage. On appelle ça collier Sassat. On a ce modèle monté avec des croix à la galèse, des colliers, des petites croix, tmia, tout ça. Ça, c'est collier Snebra aussi. C'est connu. Avec de l'ébène. Ça, c'est RA des coups argent plus ébène. Il y a un autre modèle comme ça. C'est fait en trois parties, si tu mets comme ça. Ok, ça y est. C'est bien dessiné avec des parings de bain dedans, décoré avec de l'ébène. Pour ouvrir les enveloppes, les rings au papier, c'est les barrettes faites avec du bois d'ébène, avec de l'argent. Et on met le fil en fer. Les bracelets en ébène. Le fameux Ewiki, le pendatif ébène avec argent, avec un cordon, et derrière c'est plaqué en argent. On a un autre pendatif plus gros que le premier. On a les boucles d'oreilles. Chaque collier a son boucle. Par exemple, le collier Snebra comme ça, il a son boucle d'oreille comme ça. On a les grands colliers bouts d'ambre avec de l'argent. C'est de l'ambre. La pierre d'ambre, c'est traditionnel, c'est connu. On monte ça avec des boules d'argent plus grosses et des perles d'onyx rouges. On a les bracelets avec de l'ébène, des rayures d'ébène dedans. On a les bracelets simples avec la tête de Tesbit. Ça, c'est un anneau Touareg, c'est connu, c'est traditionnel. Il y a différents modèles. Il y a les modèles Tawa et Agadez. Ça, par exemple, c'est Agadez. C'est les gens de la région d'Agadez qui font la tête comme ça. Et c'est de l'Azawad, c'est comme ça. La tête, elle est un peu triangle, comme ça, sous forme, comme ça. Tu vois, c'est différent. Comme pour le Koua, chaque région a sa façon de le porter. Ici, c'est un pendatif en argent. Tu peux mettre la corde, tu mets le perle. Le travail, c'est bien décoré.
Quel type de clientèle vous cherchez? Acheter en gros ou... Bon, ouais, en gros, ça nous arrange. N'importe quelle clientèle. En gros, en détail, tout ça dépend. Ça dépend de la commande. Si c'est en détail, si c'est en gros, mais le prix, c'est normal. C'est un prix abordable qu'on faisait. Tout le monde est bienvenu, ouais, c'est ça. Tout le monde.